Coucou à tous! Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu ma vidéo précédente, donc vous ne savez pas de quoi je vais parler, mais vous savez que je vais parler d'une nouvelle activité. Ça fait pas longtemps en fait que... ça fait que 2-3 mois qu'elle est sortie en France, en Chine, etc. Bon, elle y est déjà, hein, c'est une activité pas du tout récente en Chine, mais en France, ouais. Et en fait, il s'agit donc du point de croix. Bon, il y en avait il y a des années, des années, des années, ma grand-mère, elle en faisait, quoi. Mais ça s'était perdu et du coup, là, ça revient. Donc voilà. Du coup, je vais vous parler de ça. Donc, j'ai acheté deux toiles. Donc, il y en a une que je n'avais pas fait gaffe. Donc, je vais vous la présenter là maintenant. Donc, j'en ai une. Donc, celle que j'ai pas fait gaffe. Alors, ça se présente comme ça. On l'a dans un petit. Donc j'avais un sachet transparent, mais je l'ai jeté. Voilà. Donc tout ça était dans un sachet transparent. Voilà. Donc ça, c'est le motif de ma toile. Donc en fait, je n'ai pas fait gaffe. Parce que voilà, y a les points en fait. Et donc quand on est à 11 points, c'est des plus grandes toiles. Généralement, ça va pas avant 11 points. Du coup, c'est les plus grandes. Après, il y a 14 et après, il y a 18. Et moi, je n'ai pas du tout fait gaffe. J'ai pris une 18. Donc déjà, elle fait que 26 sur 23. Alors que je voulais la plus grande, mais j'ai pas du tout fait gaffe. Donc voilà. Et en plus de ça, donc on a le patron, mais en papier, quoi, pour nous aider à faire les points. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, on voit, ça fait des tout petits carreaux, en fait, et en fait, il faut compter les carreaux pour pouvoir faire les points après de couleur. On a des symboles à l'intérieur de différents pour chaque couleur. Et puis voilà, on s'aide de son patron pour faire le point de croix, quoi. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai trois feuilles. Et ensuite, ben, on a nos fameux fils, du coup, pour nous aider. Alors, attendez, je suis un peu... Ah, voilà. Donc voilà, donc ça c'est les fils que j'aurai besoin. Donc voilà. Ça c'est tous les fils que j'aurai besoin pour faire ma petite tortue. Donc ça c'est toutes les couleurs dont j'aurai besoin. Donc là il y a 15. Il y en a 20. Il y a 20 couleurs différentes. Donc il y a des fils où on en a plus ou moins suivant ce qu'on a besoin en fait. Hein. Et puis voilà. Du coup. Mais sauf que le souci, c'est qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a des toiles qui sont imprimées ou non imprimées. Et donc celle-ci, en fait, j'ai eu tout faux sur cette toile-là. Il faudra que j'essaye de trouver un vendeur. Qui a le même motif mais avec une toile imprimée parce que là du coup en fait la toile n'est pas du tout imprimée donc elle est vierge. Voilà, ça c'est ma toile. C'est ma toile, donc elle sera petite comme ça. Voilà, c'est, je voulais une beaucoup plus grande, au moins le double quoi, pour mais voilà, j'ai pas du tout fait gaffe, donc voilà. Bon ben tant pis, en plus c'est des tout petit point. Donc vous allez pas voir, vous, ça fait comme une feuille blanche, mais c'est vraiment tout petit. Puisque comme c'est du j'ai dit du 18, je crois, ouais, c'est ça, du 18. Donc il y a 18 points par pouce en fait. Donc moins on prend de points,
plus les points sont gros en fait. Donc là, ça va être beaucoup plus précis, mais beaucoup plus compliqué, puisqu'en plus elle est vierge. Donc voilà. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Je vais, comme ça au moins j'ai. Voilà, j'aurai les deux, j'aurai sur toile imprimée, sur toile non imprimée. Voilà. Donc bon, c'est pas trop trop grave. Donc je vais. Hop. Par contre, voilà, les fils sont hyper grands. Il faut le savoir. Donc là, et après, sur les autres. Donc voilà, donc, je vais la poser, parce que voilà, j'en ai plus besoin. Et ensuite, j'ai pris mais, une deuxième, et puis celle-ci, j'ai eu tout bon. Donc, alors, désolée pour le bruit. Non, je n'ai plus rien. Donc là, on a notre patron. Voilà. Donc, qui est. Et donc, c'est un éléphant. Voilà, il est magnifique. Donc voilà le patron. Donc là il y a une partie et la seconde partie pour le bas qui est derrière de l'autre côté. Donc vous voyez en fait on a les numéros, on a les symboles, et on a même le DMC. Donc si vous faites du diamond painting par exemple, vous savez de quoi je parle pour le DMC. Et donc voilà. Donc là elle fait 11 CT si je me trompe pas. ouais, 11 CT. Donc du coup, voilà, il y a 29 couleurs sur celle-ci. Et voilà, elle est magnifique. Donc pareil, on a. Là par contre, le kit est un peu plus complet. Donc on a les aiguilles. Je ne sais pas si vous les voyez, on a les aiguilles. J'ai un enfil-aiguille et j'ai un coupe-fil. Voilà. Donc là, le kit est un peu plus complet. Je l'ai payé un peu plus cher. Mais au moins, j'ai des ustensiles un peu plus élaborés. Et là, je sais pas. Attendez, je vais vous la mettre de ce côté peut-être. Donc là, voilà la toile. Donc les couleurs n'ont rien à voir. Quand vous voyez les couleurs comme ça, vous allez vous dire non, mais c'est pas jaune normalement le fond, c'est blanc. Oui, c'est bien ça. C'est juste que les couleurs n'ont rien à voir. Les couleurs que vous voyez sur une toile n'ont rien à voir avec ce que ça va donner en fait. Donc il ne faut pas se fier aux couleurs que vous voyez de la toile. Et celle-ci, en fait, elle est surpiquée. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez un trait noir, c'était l'endroit où il faut qu'il surpique. Mais elle est surpiquée, donc ça va éviter que le fil tout autour se défasse. Tandis que l'autre, non, la toile n'est pas surpiquée. Donc la qualité du premier vendeur est pas top top quoi. Donc c'est le premier là que je vous ai montré, celle où ma toile est même pas imprimée, etc. Celui-là, non, c'est. Voilà. Je préfère déjà le deuxième. Parce qu'il y a une toile beaucoup plus épaisse, surpiquée. On a un kit un peu plus important. Bon, d'accord, c'est 1, 2, 3 euros plus cher. Mais voilà, pour avoir une meilleure qualité, franchement, je préfère payer un petit peu plus cher, quoi. Et donc, on a tous les fils. Donc là, voilà, elle est beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous avez vu. Et donc, voilà, on a tout ça de fils. Donc ça, c'est des fils. Ouais, donc j'ai du 24, j'en ai un, deux, trois. J'ai 4 fois du 24, par exemple. Donc voilà. Du coup, voilà. Ça sera ces couleurs-là. Et puis, voilà. Du coup, je voulais vous montrer ça. Parce que ça me tardait. Moi, j'aime tout ce qui est. Alors moi, ce que je fais pour bien le ranger. Je le prends comme ça, je le tourne sans trop, et ensuite là, hop, comme ça, c'est beaucoup moins. Les fils vont pas trop partout, vous voyez. Donc, hop, je refais la même chose sans trop tirer quoi, ça sert à rien. Et puis voilà, comme ça, je m'embête pas.
Ah oui, là c'est du 11 CT, donc c'est trois fils qu'il faudra prendre. Enfin, pas trois fils en entier. Dans un fil. Par exemple, je vais prendre celui-là, puisqu'il y en a moins. Vous voyez, donc ça. Dans un fil, il y a plusieurs petits fils. Il faudra prendre trois petits fils. Normalement, dans un fil, il y en a six. Là, il y a six. Donc, il faudra juste que je le partage en deux. Et puis voilà. Du coup, par contre, le 14 CT, c'est que deux, je crois, deux fils, parce que comme c'est beaucoup plus petit les carrés, enfin les points, chaque point est beaucoup plus petit quand c'est du 14. Donc voilà, il faudra juste que je prenne deux fils pour la première et trois fils pour la deuxième, puisque je sais pas si vous allez voir, mais les points sont beaucoup plus gros, on les voit là directement que là sur la première. On les voit pratiquement pas. Je sais pas. Ouais, voilà, vous les voyez, mais ils sont beaucoup plus petits. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Voilà, donc dans un kit, il y a le patron en feuille pour nous aider. On voit tous les petits carrés. Voilà, vous voyez. Donc ça va nous aider puisqu'il y a les symboles différents. On a la toile soit imprimée ou pas imprimée, il faut faire gaffe au vendeur. On a un kit, donc soit un kit, on va dire complet, ou soit un kit juste avec des aiguilles et puis basta quoi. Et ensuite, on a les fils hein, pour chaque toile. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de commencer. Bon, il faut que je finisse mon colo, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc là, c'est mon coloriage en cours. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Donc là, c'est mon colo en cours. J'ai mis du temps pour faire ces petites roses là. Et puis voilà, comme ça, je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc je vais finir celui-là. Et ensuite, je commencerai mes points de croix. Comme ça, après, j'alternerai entre points de croix et d'épée. Et puis, quand l'envie me prendra, je reprendrai un petit peu le colo. Et ensuite, je reprendrai d'épée ou points de croix. Voilà. Du coup, voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Parce que j'avais hâte. C'est une nouvelle activité. Voilà, que je... Et puis voilà, j'avais trop hâte. Donc je les ai reçus ce matin. Donc voilà, du coup je vous fais direct la vidéo pour être sûre de ne pas oublier. Et puis voilà, je la sortirai dans quelques jours. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao.